Suivez-moi est une émission entièrement dédiée à découvrir les stars des médias sociaux d'Ottawa. Que ce soit un blogueur, YouTuber, une personnalité Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram ou tout simplement une personnalité d'Ottawa mieux connue à travers les médias sociaux, je vous fais découvrir l'humain caché sous cette cybergloire avec des entrevues candides, chaleureuses et exclusives. Alors suivez-moi et mes invités de la première saison. Je tiens en équilibre sur les aiguilles fragiles de l'amour et de l'amitié. Calme. Bonjour Yao. Bonjour Sabine. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Et bon, on se connaît depuis que tu as 17 ans, puis moi, je ne me souviens plus quel âge que j'avais. Mais on s'est rencontrés à travers une émission qui s'appelle « C'est de mes affaires ». Maintenant, on se retrouve sur mon divan et on parle parce que tu portes plusieurs chapeaux. Tu es auteur, compositeur, interprète, poète, slammer. Lequel de ces titres te convient le mieux si tu avais à choisir un seul titre pour toi-même? Si j'avais à choisir un seul titre, je dirais poète. À la fin de la journée, je suis un poète, je suis un troubadour. J'ai un troubadour, il chante, il danse, il fait rire, il raconte des histoires, il récite des poèmes. Il fait vraiment un peu tout, il fait du cinéma, il fait de la comédie, donc c'est un peu la personne que je me considère être. Oui. Un peu ce troubadour poète. On voit sur tes plateformes sociales, tu ne partages pas beaucoup de selfies, mais tu partages beaucoup de photos avec ta nièce, tes sœurs, ta famille. Pourquoi partager ces moments en famille quand t'en partages très peu de ta vie? Je te dirais que tu partages beaucoup sur ta vie d'artiste et non de ta famille. Oui, ma vie personnelle, c'est je suis ce genre de personne qui dit ma vie personnelle, c'est ma vie personnelle. De temps à autre, il y aura quelques petites ébauches qui vont apparaître ici et là. Mais en tant qu'artiste aussi, je pense que c'est important de montrer ce côté-là de qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, au-delà la musique, au-delà le théâtre, au-delà le slam, je suis une personne très familiale. C'est vraiment l'aspect pour moi de le montrer sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, bon voilà, je suis un peu artiste aussi, mais inviter les gens dans mon monde. Et c'est ça les réseaux sociaux. Alors Caroline, comme tu sais, j'ai un gros girl crush sur toi. C'est assumé. Parce que, oui, c'est très assumé. Parce qu'on te voit souvent à la télévision, à TFO. Mais peut-être plusieurs personnes aussi te connaissent comme co-blogueuse de Passport and a Toothbrush. Comment t'as trouvé le nom ou comment ton conjoint ou toi, parce que vous le faites ensemble, a trouvé le nom de ce blog? Bien, c'est drôle parce que Matt et moi, je veux dire, je lui ai vraiment donné l'amour du voyage et puis on a trouvé le nom parce qu'on, je sais pas pourquoi, on trouve tout le temps que ça fait un peu plus chic, classe, avoir deux mots ensemble. C'est littéralement juste à cause de ça, mais c'était vraiment l'idée que tout ce qu'on a besoin en voyage, vraiment pour partir pour l'aventure, c'est ton passeport, une brosse à dents, let's go, t'es prête, un peu d'argent aussi. Mais bon, c'est un détail, mais ouais. Donc, c'est vraiment pas besoin de grand-chose pour voyager, donc d'où l'idée. Vous avez eu un succès en Bulgarie avec une publication. Oui, c'était ridicule. Pour toi? Oui, pour moi. Je veux dire, comme, merci Bulgarie. Mais c'est ça, c'était un post sur Sofia, qui est la capitale de la Bulgarie. Et puis, une ville vraiment le fun aussi. Puis on a bien aimé ça. Puis après un temps en Europe de l'Est, on a dit, tu sais quoi, c'est notre ville préférée en Europe de l'Est. C'est des grands mots, on n'a pas tout visité, mais quand même. Et puis, post, that's it. Là, on était déjà en Turquie. Puis là, la fin de semaine, on a commencé à voir que ça rentrait. C'est surtout, ça commençait avec les likes sur Facebook. C'était genre 200 par jour. J'étais comme, OK, c'est un spam, là. On s'entend, ça se peut pas. Et puis là, c'était 18 000 impressions sur la page par jour.
Là, c'était comme, OK, on n'avait jamais eu de l'attention de même. Et c'est ça. Donc, ça a juste été vraiment partagé, surtout à Sofia, puis ensuite un peu partout au pays. Et ça a été un succès monstre et tellement populaire qu'un an après, donc quand on était déjà ici à Ottawa, ça a eu une autre... Une autre vie. Ouais, une autre vie. Là, ils nous ont même appelé pour aller faire un petit reportage aux nouvelles en Bulgarie. Donc, on a fait ça. C'est une entrevue Skype. On était... Tu sais, c'est comme vraiment surréel. Une présence. Oh, surréel, alors, absolument. Vous êtes vraiment populaire sur le web, puis on le voit. La Bulgarie, en tout cas. Mais ouais, non, ça a vraiment bien marché. Je pense qu'on a juste donné le goût au monde de voyager. Là. Oui. C'est ça. Ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo pour vous, comme à tous les lundis. Aujourd'hui, je vous présente ma routine de maquillage, donc mon look de tous les jours. Tu as été choisie parmi plusieurs YouTubers parce que tu es super populaire sur le web. Puis tu viens de la région, de la capitale nationale, oui. Puis on t'a choisie pour participer à une émission. Peux-tu m'expliquer comment tu as passé le processus d'audition puis comment tu as su à propos de cette émission-là? En fait, pour le concept d'Anou l'été, ils cherchaient vraiment des personnes qui étaient à l'aise avec la caméra, ils cherchaient du monde qui allait vraiment être eux-mêmes dans une émission. Donc, ils sont allés rejoindre premièrement des YouTubers québécois, puis ils m'ont contacté personnellement pour aller passer les auditions. Puis pour le reste des personnes qui étaient prises, c'était vraiment des castings en ligne, des annonces qu'eux ont contacté l'émission en tant que telle. Puis on était une soixantaine de personnes à passer les auditions. C'était à Montréal, puis je me suis rendue, puis ça a vraiment bien été, puis j'ai été prise. T'es devenue super populaire parce que les gens s'identifient à toi comme une jeune YouTubeuse. T'aimes ça te maquiller. Alors, oui. D'où est venue l'idée de faire des vidéos sur le maquillage? Bien, moi, en fait, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire des capsules sur YouTube, mais ça fait longtemps que j'en regarde, une bonne couple d'années. Puis j'ai toujours vraiment aimé le contact avec cette communauté-là, parce qu'en fait, c'est exactement ça que c'est. Même si tu fais pas des vidéos, tu es vraiment dans la communauté dès que tu en regardes. Puis ces personnes-là qui font des vidéos sur YouTube, tu t'attaches à elles. Puis c'est le fun quand tu grandis, bien, quand tu commences à grandir, quand tu es plus jeune, de commencer à regarder des vidéos comme ça. Puis moi, c'est sûr que j'écoute des vidéos sur le maquillage. J'ai appris à maquiller comme ça. J'ai appris. T'as appris à te maquiller comme ça? Ah oui, bien oui. J'avais jamais pris de cours. Mais non. Parce qu'il faut le dire, t'es ben, super belle, ah ben t'es une beauté naturelle, puis t'as été mannequin. T'as jamais appris à te maquiller quand t'étais mannequin? Bien, moi, je vous dirais, j'ai appris tout ce que je sais par rapport au maquillage, par rapport à la mode sur YouTube. Genre, regarde, incroyable. Je suis assez. Je suis une autre génération, désolée. Oui, fait que moi, j'ai appris à maquiller, j'ai appris à tout ce que je sais sur la mode, ces choses-là, par YouTube. Explique-moi ton coming out. En fait, mon coming out s'est super bien passé. Puis je suis contente que d'envoyer un message positif comme ça à mon public. Mais oui, ça s'est très bien passé. Je sortais avec des garçons. Puis là, ben, le monde était comme, mais Marie-Lou, c'est une heartbreaker. Là, t'es capable de rester avec le même gars. Puis finalement, quand j'ai commencé à sortir avec une fille, le monde, ils ont juste trouvé ça logique. T'sais, ils ont trouvé ça, ah oui, OK, c'est parfait, on t'accepte, ça a bien été. Je l'ai dit à des amis avant mes parents. Puis même mes parents, ils ont super bien réagi. J'ai dit à ma mère, à mon père, puis au reste de ma famille. Puis c'est le fun. Ça s'est bien passé. Puis là, je suis mieux avec comme oui. Qui je suis en ce moment. Bonjour, Yahima. Comment ça va? Très, très, très bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as un nom super intéressant, ce qui veut dire quelque chose de très spécial dans ta culture. Oui, c'est ça. Ia, c'est pour la femme qui est née le jeudi. Et Hema, c'est la reine. La reine. Et tu es une reine dans la musique, dans l'écriture et dans plusieurs choses. On te connaît comme blogueuse de HuffPost et également chanteuse. Comment tu as commencé ta carrière? Parce que tu viens de Vancouver et maintenant tu habites à Ottawa. Peux-tu nous retracer un peu ton parcours de Vancouver jusqu'à Ottawa? Oui, j'ai fait mes études à Vancouver. J'ai fait l'université là. Après ça, j'étais à Oxford, à l'Angleterre, et il y avait un programme de recrutement. Donc, je suis entrée à Ottawa avec le programme de leader de politique. Donc, j'ai commencé au ministère des Affaires étrangères au début et c'est presque 10 ans. Ça fait presque 10 ans que tu es ici. Oui, exactement. Et tes parents viennent de Ghana. Oui, c'est ça. Ils ont immigré au Canada et tu as une passion pour la littérature.
et qui t'a amené à l'université. T'es douée pour l'écriture. Peux-tu nous dire d'où est venu cet amour pour les mots? Je ne sais pas, il y avait toujours les livres chez nous. J'ai reçu beaucoup d'encouragement à lire et j'ai bien aimé toujours les livres. Toni Morrison, il y avait beaucoup de gens comme ça. Ouais. Une des premières chansons que j'ai entendues de toi, c'est ta chanson qui s'appelle Sunday. Je peux peut-être chanter un peu. Oui. On a Sunday, I am free. Et ça, t'es toujours dans ma tête et j'étais au piano et dans peut-être une demi-heure, j'ai eu la chanson. T'as écrit la chanson, oui. Wow! Ouais. Et ça a été excessivement populaire parce que t'as été sélectionnée comme semi-finaliste dans le concours de Radio-Canada en anglais CBC. Comment a été cette expérience de participer comme une personne qui représente la région? Parce que c'est un gros concours pan-canadien. Oui. C'était vraiment incroyable. J'ai reçu beaucoup de soutien. Ça a été vraiment incroyable. Les gens que je ne le connais pas, c'était vraiment incroyable. Tu as touché beaucoup de personnes parce que quand on regarde ta page Facebook et surtout Twitter, beaucoup de personnes ont appris à te connaître à travers ta musique. On dirait que tu les parlais directement et surtout avec Sunday parce qu'on dirait qu'il y a un élément... On sent que c'est une chanson très soul, très jazz. Et est-ce que tu as été touchée par tous ces commentaires que tu as reçus? Parce que tu en as eu énormément. Oui, vraiment. Vraiment, c'était incroyable. Je ne suis pas sûre que j'ai les mots exactement d'écrire ça. Oui, c'était vraiment incroyable. Et je pense que j'ai pensé que, OK, j'ai trouvé le bon pas et je dois continuer. Première entrevue comme auteur, là. Ben pour mon livre, ouais. Bonjour Catherine Voyer-Léger. Comme je t'ai dit tout à l'heure en pré-entrevue, je suis un peu intimidée de te recevoir sur mon divan aujourd'hui parce que tu es une auteure, essayiste, blogueuse avec plusieurs années d'expérience. Je vous trouve hallucinante comme écrivaine. Vous venez de lancer un livre. Vous avez lancé un livre qui s'appelle « Métier critique ». Est-ce que vous êtes bien face à la critique? Oui, mais surtout quand l'entrevue commence par quelqu'un d'intimidé, je me sens très à l'aise. Non, non, il ne faut pas être intimidé. Mais je dirais que le fait de travailler sur ce livre-là, en fait, ça m'a beaucoup aidé à moi-même faire la paix avec une certaine critique. Mm-hmm. Puis avoir la critique pour ce qu'elle est aussi, c'est-à-dire une lecture de l'œuvre, puis pas une lecture de la personne. Je pense que c'est ça le plus important. Oui. À un moment donné, quand on accepte de rendre nos choses publiques, il faut accepter que les gens en discutent, puis que ce n'est pas un jugement sur qui on est comme individu, mais vraiment sur nos idées, en fait. Comment avez-vous commencé votre carrière d'écrivaine? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous occupent présentement, qui sont en train de vous chercher en ligne, mais on ne retrouve pas l'histoire derrière vous. Mais j'ai toujours voulu écrire depuis que je suis vraiment toute petite. Pour moi, les livres, c'était un truc vraiment merveilleux. Puis je pense que ce qui m'a donné vraiment envie d'écrire, c'est qu'il y a des gens qui m'ont valorisé là-dedans, des profs qui me disaient que j'écrivais bien, donc je me disais, bon, ben coudonc, c'est quelque chose que je sais faire bien, donc je vais y aller. Puis c'est vraiment plus tard, quand même. J'ai toujours écrit, mais avant que je me dise, OK, il y a une opportunité d'en faire un métier, ou en tout cas au moins une partie de métier, parce que vivre de ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est vraiment les médias sociaux qui ont tout changé. Pour moi, c'est le blog, en fait. J'ai commencé à bloguer très tôt, à peu près en 2002. Au début, c'était vraiment plus comme ça, un peu... Puis un jour, j'ai vraiment développé une espèce... J'ai eu envie que ça soit une carte de visite, que ça soit crédible, que ça soit bien écrit, que ça devienne vraiment une façon de faire connaître ce que j'ai à dire puis ma plume. Puis ça a fonctionné, en fait. Mais ça a été un gros investissement. Le blog « Détails et dédales » qui est devenu le premier livre, pendant une longue période, j'écrivais 2 chroniques par semaine. Donc, wow. Complètement... Et ça représente combien d'heures de travail? Oh, à l'époque, c'était beaucoup, mais c'est devenu un peu un muscle. Mais je dirais, chaque chronique, c'est facilement 2 à 3 heures. Donc ça, c'est... Évidemment, j'étais zéro payée, là, j'avais pas de publicité, rien, tout ça. Mais c'était comme un investissement pour me dire... Mon objectif, c'était qu'un jour, on me donne une chronique dans un journal. Bon, ça a marché. Maintenant, j'ai des chroniques à la radio aussi. J'ai réussi à faire ma place dans ce monde-là. Entre autres, grâce à Twitter, hein, parce qu'on dit pas assez... La grosse différence entre Facebook et Twitter, c'est... Facebook, c'est la réciprocité. Mm-hmm. Twitter, c'est pas obligé d'être réciproque. Donc moi, à force de vouloir interagir avec des journalistes puis des gens du milieu des communications, eux se sont intéressés à ce que je faisais.
Puis c'est comme ça qu'ils m'ont découvert, puis que mon réseau s'est développé, en fait. Donc, moi, je peux facilement dire que Twitter a changé ma vie, là, sans aucun problème. Bonjour, ici Julie Blecomo, votre spécialiste en étiquette des affaires, et bienvenue dans mon bureau. Bonjour! Bonjour, Sabine! Alors, tu es reconnue pour être la spécialiste de l'étiquette, tu es conférencière, tu es auteur. Est-ce qu'on a une bonne étiquette sur le plateau de tournage de Suivez-moi? Ici, là, mesdames et messieurs, là, je vous souhaite de venir avec Sabine à Suivez-moi. C'est vraiment génial. Alors, de partout, je suis arrivée, la bouteille d'eau, on est aux petits soins, madame, etc. C'est vraiment extraordinaire. Dans ton livre, tu parles de ton livre. Dans ton livre, on retrouve toutes les situations, différentes situations de la vie quotidienne. Ouais. Comment agir, comment être. Est-ce que c'est des questions qui te sont souvent posées? Parce que sur les plateformes sociales, j'ai une de mes amies qui t'a posé une question, qui est également animatrice de TV, qui a posé une très bonne question. Comment on tient son verre de vin? Oui, oui. Puis ça, là, c'est la beauté des médias sociaux. Les gens m'écrivent, j'essaie de répondre là, de façon assez ponctuelle, assez rapide. Les gens m'écrivent de partout. Je suis aussi blogueuse. Puis ça, ça fait partie de tout cet univers de médias sociaux, cet univers virtuel. Alors, je blogue pour l'Huffington Post Canada, Québec, les affaires. Et les gens me posent des questions. Dans les deux langues officielles. Yes! Est-ce que tu trouves que les jeunes te posent davantage des questions? Parce que les jeunes sont sur les plateformes sociales. Les jeunes, puis Sabine, là, je vais dévoiler quelque chose. Les hommes. Les hommes? Les hommes. Wow! Utilisent ce filtre virtuel des médias sociaux et ils m'envoient des messages privés. Quand on te suit sur les médias sociaux, un jour tu es à New York, un jour tu es à Paris, un autre tu es à Ottawa. Présentement, tu es dans la capitale nationale parce que tu prépares un gros défilé de mode que tu refais annuellement qui est Safara. Exactement, oui. Alors actuellement, je suis en train de travailler sur Safara qui est un défilé de mode qui met en vedette tout créateur et toute créatrice qui travaille avec du tissu ou du pagne africain. La première édition était la semaine dernière. L'année dernière. Et oui. Ça s'est très, très bien déroulé. On avait même une liste d'attente d'un peu plus d'une centaine de personnes. Et donc, on s'est dit que c'était vraiment quelque chose qui intéresse énormément de gens. De plus en plus de gens, de célébrités portent les tissus, les couleurs, le pagne africain. Donc, on voulait vraiment rendre hommage à notre manière, à cette tradition. Dans ta page Facebook, tu as fait un appel à plusieurs mannequins de se présenter pour les auditions. Et tu recherches un peu tout le monde, de toute race, de toute ethnicité. Et moi, je me souviens la dernière fois que j'ai été à un de tes défilés de mode, il y avait la représentation de l'Afrique, mais aussi de Canadiennes. Ouais. Pourquoi ça te tient à cœur de vraiment montrer cette diversité-là? Parce qu'on s'entend, quand on regarde les défilés de mode, c'est très monochrome. C'est un type de corps, un type de... une race qui est mise à l'évidence. Pourquoi, toi, tu mises sur la diversité et la mixité? Bien, je pense que c'est important et je pense qu'on ne le voit pas souvent. C'est un problème. D'autant plus que la beauté, elle vient dans toutes les couleurs et toutes les formes. Et je pense que le monde de la mode, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé I Am Fashion, puis Safara, c'était justement parce que j'ai entendu beaucoup de noms. Quand je suis partie à certaines auditions, en tant que mannequin, je suis trop petite, je suis trop noire, je suis pas assez noire, je ressemble à une hindoue, je ressemble pas vraiment à une noire. Puis au final, on risque de se perdre facilement. On risque aussi de souffrir intérieurement à travers notre estime de soi, justement, parce que on entend tellement de noms, même si on a les capacités et le potentiel de le faire, compte tenu des critères du monde de la mode. Donc pour moi, c'était une manière de dire, ben, écoutez, moi aussi, je suis en mesure de le faire. Moi aussi, je suis en mesure de donner une chance à des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont tout aussi beaux, tout aussi talentueux, qui peuvent marcher, de pouvoir le faire et de travailler sur leur estime de soi.
C'est la raison pour laquelle on va trouver toutes sortes de personnes au défilé, mais s'il y a une chose qu'ils ont en commun, c'est l'amour de soi, le partage et le talent aussi de pouvoir le faire, peu importe leur taille. Pour ce qui est maintenant du mix dont tu parlais, encore une fois, je pense que c'est important de représenter tout le monde dans un monde qui tente coûte que coûte parfois de tous nous séparer. C'est important de nous unir et de montrer que c'est possible d'embrasser les cultures et les différences des uns et des autres tout en les respectant. Moi, je te connais depuis l'âge de... depuis au secondaire. Oui. Mais on... plusieurs personnes... Ça fait 5 ans de ça. Oui, ça fait 5 ans. On est très jeunes. Mais plusieurs personnes te connaissent sur le web parce que tu es une revendicatrice. Tu écris également pour le Huffington Post. Puis, tu as été en politique. D'où est venue cette multitude de métiers, parce que tu es ingénieure à la base. Alors, comment tu as commencé sur les médias sociaux puis aussi sur le web? Bon, le web, je suis allée à l'école en 95 à l'Université de Guelph. Là, tu donnes ton âge, en passant. Bien, j'étais enfant doué, donc j'ai commencé tôt. OK, parfait. Et puis, en septembre 95, j'arrive sur le campus, j'ai entendu qu'il y avait une affaire qui s'appelle l'Internet, qui était nouveau dans ce temps-là. Puis, il y a une affaire qui s'appelle courriel, qui était nouveau. Ouais, ouais. Et puis, je me suis garochée sur l'Internet, l'ordinateur, pour savoir c'est quoi l'Internet. Okay. Je voulais vraiment naviguer. Apprendre. OK. Et puis, j'ai pu voir, dans ce temps-là, l'Internet est encore comme noir et blanc. Texte ouais. seulement. Là. C'était vraiment rudimentaire. Au début, ouais. Et puis, je me suis dit que si je vais faire une carrière dans l'informatique, ça serait peut-être quelque chose que je devrais apprendre à maîtriser. Mm-hmm. Donc, l'Université de Guelph nous offrait, ou offre toujours, un compte gratuit à tous les étudiants. Okay. Donc, j'ai pris mon compte d'Université de Guelph gratuit étudiant. J'ai créé une page web. Oh oui? Et puis, il fallait... Sans formation? Aucune formation. J'ai appris sur Internet, là. Comme... OK. Wow. C'est ouais, le début, tu prends un livre, tu apprends l'HTML, tu commences. Et puis, j'ai besoin d'un thème. OK. Puis, c'était quoi ton thème? Mon idole, qui est Whitney Houston. Oui. Donc, j'ai dit de parler d'elle. J'avais une biographie, j'avais la liste de ses albums, j'avais une section nouvelle. Wow. Donc, quand j'apprenais quelque chose sur la télévision conventionnelle, je mettais sur l'Internet, bien, tel jour, elle va être à telle émission, tel wow. Gala. Wow! C'était dédié? Bien, c'est des choses que je regardais quand même. Right? Oui, j'enregistre quand même sur le VCR, donc j'étais déjà plongée. Ça fait longtemps. Puis le jour que les médias nationaux vont prendre la relève, hey, j'ai d'autres choses à faire. En parlant de médias nationaux, tu contribues beaucoup de ton temps à faire des collaborations avec beaucoup de chaînes canadiennes. Souvent, les gens te voient comme une revendicatrice. Est-ce que tu penses qu'ils ont une mauvaise perception de toi, ces gens-là qui te suivent ou qui te regardent de loin ou de proche? En tout cas, j'ai eu tellement de rétroactions sur le fait que je dis tout haut, en avant de la télévision, ce que les gens pensent. Et puis, ça a été pour la plupart très positif. Les gens me disent que finalement, il y a quelqu'un qui ose parler, qui ose revendiquer haut et fort et publiquement. Donc, je dirais que ça a été toujours, la plupart du temps, positif. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a toujours un peu de pépin? Oui, c'est sûr. Mais je dirais que oui, les gens perçoivent ça comme étant positif, qu'il y a quelqu'un qui peut parler d'une autre expérience. Oui. Hey everybody, I'm with Crystal, my goodness. Woo! Hey everybody, we are with Maxwell. This man here has a sound like no other. This is a new artist, you need to check him out. Check his blog, check his Facebook, check his Twitter. Brother got it together. An amazing keyboard player, but also an amazing, singer. Amazing singer. Ils ont été très gracieux, très gentils, et on a passé un petit moment à rigoler, puis aussi des gens qui me reconnaissent par la musique, par l'Internet, ça va vite sur YouTube ou Facebook ou avec tout ce que je fais. Donc, il y a certaines personnes qui me reconnaissent et puis qui me remercient de ce que je fais. Et je les remercie davantage. On voit que tu aimes aussi danser sur les médias sociaux. Ah oui! On a même un petit clip au temps de Noël. Peux-tu nous expliquer d'où est venue cette idée de faire, t'as mélangé la danse un peu à la Michael Jackson, puis un peu ton côté africain.
Je suis très grand fan de Michael Jackson et puis de plein de super, plusieurs artistes. J'aime la musique, j'aime la musique africaine. Donc en fait, ça c'était un concert de Noël où j'étais le maître de cérémonie. Et je suis aussi un peu le mentor des Twin Towers, qui sont des danseurs, des jumeaux qui sont extraordinaires. Qui t'accompagnent dans le vidéo. Qui m'accompagnent souvent. Et ils avaient leur show, leur partie à faire dans le spectacle de Noël. Et ils sont venus me chercher en plein milieu du show pour danser. Et donc, on a fait cette petite chorégraphie impromptue, improvisée. Qui a généré beaucoup de j'aime sur ta page absolument, Instagram. Absolument. Je pense que c'est l'effet de surprise. J'ai vu aussi que tu avais un petit moment cocasse dans une émission qui s'appelle Daytime, qui est diffusée ici même à Ottawa, où ton piano a eu des petits problèmes techniques. Bien, en fait, j'étais dans la salle d'attente à discuter avec les invités qui passaient à l'émission. Mm-hmm. Et le temps est passé beaucoup plus vite que je l'avais pensé. Mon piano, j'ai pas eu le temps de vérifier que mon support était... Donc, on m'a appelé. « Ah, Belle, on commence le show maintenant. C'est dans 10 secondes. » Et voilà, 2, 5, 9, 9, 8, 5, 6, 2, 1, hop, c'est parti. Donc voilà, on a commencé la chanson et puis à la dernière note, mon support est tombé. Et c'est du coup, finalement, c'est devenu... c'est grâce à ça, je suis devenue... Une vedette? Parce que ça passe maintenant dans le générique et je l'ai vu plusieurs fois et je trouve ça drôle. Style blog initially started because we've both been really interested in fashion and style for as long as we can remember. We love putting together new outfits and it's really just an opportunity for us to showcase our creative side. De plus en plus, on voit des couples interraciaux ici, dans la capitale nationale. Mm-hmm. Puis vous faites un beau couple visuellement. Puis vous représentez... C'est ça ce qu'on dit. Vous représentez également vraiment une tendance qu'on voit de plus en plus. Est-ce que tu trouves qu'on devient de plus en plus multi-ethnique dans la capitale? Oui, je pense que là, on est prêt à voir. Et là qu'on le voit, on pense qu'il est intéressant. Je ne peux pas te dire combien de personnes nous ont approchés. Ils ne savent pas qu'on a un blog, mais ils disent « Wow, comme c'est rare qu'on voit une noire et puis une asiatique ensemble. Comme vous êtes belle, vous êtes une belle couple. Comme, wow! » I'm like, « Oh, merci! » Alors, je pense que la tendance va continuer à s'élever ou à grandir à Ottawa. Et moi, je pense que c'est une bonne chose parce que le Canada est toujours, c'est toujours une place multi-ethnique et pourquoi pas plus au centre-ville. Ou la capitale du Canada. Oui, effectivement, pour montrer la diversité. Exactement. Catherine et toi, vous formez un couple en vraie vie et vous formez un couple en affaires. Est-ce que c'est difficile? Oh. Alors, tu veux la vraie histoire? Oui, la vraie histoire tu et la vérité. Tu vas demander ça sur la télévision? Oui, définitivement. Au début, c'était pas facile du tout. Parce que ça a ajouté un autre élément à notre relation. Mm-hmm. Parce que maintenant, tu es non seulement des couples, mais maintenant, tu es partenaire d'affaires. Mm-hmm. Alors, disons, pour notre premier couple de blog, c'était comme, OK, moi, je veux écrire quelque chose comme ça. Moi, je voulais comme ça. Voilà les photos qu'on devrait mettre dans cet ordre. Moi, je voulais comme ça. Et vraiment, ça causait comme... des petites flamèches. Peut-être des petites crises, pour vrai. Ah, okay. Mais maintenant, ça marche. Mais et c'est vraiment, normal. Je suis vraiment, vraiment blessé d'être capable de travailler avec mon couple. Quand on va dans votre blog, mm-hmm. on a le sentiment d'être dans une visite guidée d'Ottawa. Quelles sont vos places préférées dans la capitale nationale? J'irais le marché pour vrai, c'est notre préférée place à être. C'est là où on fait, comme je dirais, 80% de nos photos. Ah oui? On adore le marché, comme il y a des restos, il y a des petites boutiques pour magasiner. Des places à aller pour voir des personnes stylées. C'est juste gérer la place pour être, c'est Ottawa, c'est vraiment le marché. Après ça, nulle part, partout au centre-ville. Mm-hmm. Puis on adore Westboro aussi, juste à l'ouest d'Ottawa. Puis il y a aussi Hintonburg. Oui, qui est un nouveau développement. Oui, mais je dirais comme on reste plutôt au centre de la ville.
T'es la country girl franco-ontarienne. Comment tu te sens avec ce nouveau titre, ce beau titre? Ah ben merci. Merci pour de me dire ces beaux commentaires-là. Je me sens super bien, honnêtement. Ça a été une très belle année. Je veux dire, j'ai foncé fort pendant quand même un bout. J'ai dû lâcher l'école, retourner, lâcher encore, tu sais, pour faire les sacrifices. Puis je vois finalement que cette année, tous ces sacrifices-là, ben finalement, c'est en train de faire réaliser mon rêve. Puis je suis vraiment contente. Puis toi, sur les médias sociaux, tu partages beaucoup de ta vie, beaucoup des personnes que tu rencontres. Ouais. Pourquoi tu... Mais tu sais, il y a du monde qui limite leur exposure sur les médias sociaux. Toi, on dirait qu'on sent qu'on est dans ta vie quotidiennement, quand tu chantes, quand tu es triste, quand tu es super heureuse. Puis une des journées qui était super importante pour toi, c'est le Gala Trior. On a eu des photos d'un peu partout. C'était ton premier prix. Comment tu t'es sentie à l'intérieur quand tu as gagné ce prix-là? Oh, honnêtement, là, j'essaie de repenser à ce jour-là. Puis mes émotions étaient tellement fortes que je peux même pas dire comment je me sens. Je me souviens d'avoir une entrevue. Je pense que c'était TFO. Puis je l'ai écoutée par après. Puis ça fait aucun sens ce que je disais parce que j'étais tellement dans les nuages. Ah oh, oui, émue. Puis je m'entendais pas. Je me dis, c'est ma première année, tu sais, que le monde commence à me connaître. Puis je me suis dit, c'est un gros prix, mais j'aurais aimé ça le gagner. Puis je l'ai gagné. Puis, tu sais, c'est inexplicable, le sentiment. Je suis juste heureuse. Mon année, elle va bien depuis ce temps-là. Ça a vraiment fait un petit coup de pouce à ma carrière. Là. Oui. Tu es vraiment active sur les médias sociaux, puis j'ai beaucoup appris sur toi. Puis je suis sûre que tu as une connexion vraiment intime avec tes fanatiques. On te voit souvent chanter à la guitare, puis tu as même apporté sur le plateau de tournage ta guitare. Est-ce que c'est ton best friend, ta guitare? Bien, quasiment. Je veux dire, il n'y a pas nulle part où que je ne l'amène pas. T'sais, je travaille dans une garderie, puis même à ça, je l'amène parce que les enfants veulent tout le temps m'entendre. Comme quand je ne chante pas, je travaille dans une garderie, oui. Fait que je l'amène juste partout où je vais, c'est ma signature. T'sais. Si jamais quelqu'un veut me demander de chanter, bien au moins je suis prête. Parce que je chante pas juste comme ça, il faut que j'aie mon petit bébé. Je fume dans ma tête, je fume dans ma peau. J'ai l'impression d'être prise dans une cachelot. J'ai tout.